Et on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Life is Strange. Donc je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas cité le nom dans le premier épisode. Donc voilà, donc on est cette charmante demoiselle qui a l'air comme personne, mais elle a un pouvoir. Et vous allez vous en rendre compte très vite, puisqu'elle peut, comme vous pouvez le voir, remonter le temps. Je sais pas si vous pouvez, bon, ça se verra pas, mais influencer dans les dialogues, influencer tout cela. Et forcément, eh bien, cela peut avoir des choix qui auront sans doute des conséquences à l'avenir. Donc on peut bien sûr discuter avec tout le monde, hein, c'est Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher, and I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Maintenant que tu le dis, Victoria, n'importe quoi. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely has sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Donc voilà, petite discussion par-ci par-là. Là on a... C'est quoi ce bruit? Ah, un... Alors, faut j'appuie sur table. Donc là, elle me dit. Donc là, il s'envoie intégralement des SMS. Hein. Regardez, je prépare mon appareil. Il y a tout ce moment qui les contrôle. Hein. Je peux pas décider. Donc, c'était assez. Voilà, on va revenir tout au début. On se retrouve à la café après les cours. Il me faut une excuse pour pas réviser, s'il te plaît. Regarde Net Romantique sur ma clé USB. Mad Max, tu viens, on va faire péter des trucs. Ah non, attends, je dois réviser mon contrôle. Lire pas ce message. Salut, tu peux me rendre. Là il part un peu tout seul, et là, désolé, je suis en retard, journée de fou. Prenez-vous dans le parking, j'ai la classe, tu verras, je prépare mon appareil à toutes. J'espère, voilà. Rien d'exceptionnel, on a aussi maman, hein, joyeux anniversaire, incroyable que tu aies 18 ans. Kate, oui ça va, tu veux qu'on prenne un café, oui je suis libre, ok à plus. J'espère que tu fêtes tes 18 ans en beauté, tu seras toujours notre petite fille, donc ouais on a dit... Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Faut que je récupère une sorte de clé USB pour y aller. On va aller voir là-bas. Vous voyez, par exemple, aussi je parlais de ces fameux choix. Hein. On va aller voir. C'est des choix vraiment naturels. Vous voyez, des choix de campus. C'est ça qui est très intéressant aussi. Et par exemple, si on discute avec elle. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Alors là, on peut décider bien sûr de suivre la pétition ou non, hein. Non. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Donc là, on peut dire, c'est dément, David Mattson, ça aurait pu rater. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to nothing? Avant, je te donne des devoirs du style. Fais gaffe si tu reçois ou si tu fais chier le monde. Est-ce que je signe? Est-ce que je signe pas? Je me dis que si je signe, peut-être que ça va me mettre en sécurité aussi. Si je signe pas, ça va me mettre en sécurité aussi. Mais si je signe pas et que l'autre abruti me pointe avec un flingue. Tu me diras, je peux remonter le temps. Oh, et puis j'aime pas être observé.
Absolutely. I don't mind security. Je suis contre tout ce qui est surveillance. Voilà. I knew you were my favorite new student. Ah, je déteste qu'on puisse me filmer pour X ou Y raison. Moi, je pars du principe faut savoir être respectueux et faire attention. Qui a par là-bas. Pour l'instant, c'est un peu de la visite. Hein. Swimming pool affiche. And this is where the otters perform their aquatic magic. C'est quoi ce truc? They sure get a lot of mileage out of otter power. L'outre en puissance et qui. D'accord. Rien d'exceptionnel. Elle est belle la photo. J'ai pas d'inventaire pour information. J'ai pas un inventaire. Ah, attends, je peux parler avec Brooks. Hi Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Bah oui. I'd love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Eh ben dis donc, c'est pas l'arrogance qui t'y prend. Hein. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Il est où son drone? D'ailleurs, bien sûr, on peut changer, hein, bien sûr. Ah, il y a un sac. What a complicated name for such a tiny drone. B400. Et là, regardez, voilà, justement. Donc à ce moment-là, remonter le temps. Là, elle discute, elle discute. Là, à ce moment-là, on va le redemander. On va reparler avec elle. Hi Brooke. Ouais, elle parle normal. Et là, on fait, c'est un drone High Life. That looks like a High Fly drone, model B400 EVO. Now that's a nice. C'est l'équivalent du Deden Retry, mais c'est pas du Deden Retry. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Je pense que je peux pas le contrôler. Non, je peux pas le contrôler. C'est elle qui le contrôle tout seul. Ça a l'air drôle. Oula, oula, attention ma belle. Elle s'y connaît pas trop mal, hein. Regardez, entre les deux lampadaires et tout. Il y a un mec qui a fait du skate. Bon, il y a des skater boys ici. J'aime pas trop l'aspect graphique. Ça fait un peu... Après ça fait un peu cartoon, mais je sais pas, je suis pas un grand fan. Ça ressemble un peu à ce que faisait Remember Me, mais Remember Me j'étais pas très très fan aussi. Donc J'espère que c'est pas trop long non plus, hein. Vous avez, j'ai une capture de 30 minutes moi. Hein. Vous verriez donc... Oh! Ah, j'arrête. D'accord. Intéressant tout ça. On va aller voir les skateurs. Je sais pas si je peux parler avec lui. Copain, je peux parler avec toi? Non, je peux pas parler avec toi. Parler avec toi? Justin? Yo, Justin. Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Me lancer, carrément. Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Là, vous voyez, en fait, on peut encore une fois changer le passé et après modifier certaines choses. Alors, bien sûr, tout ceci est limité. On peut pas revenir. Enfin, je me demande si on peut revenir. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est possible ou non? Un peu triché ce qu'elle fait quand même. Oh, sick! You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Un tray flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh,
Oups. On va aller voir si Trevor va bien quand même. Hein? Une sadique, elle! Prend des photos d'un gars qui s'est fait mal. Objectivement photogénique. Hey! I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escaped Betty, though. J'aimais bien. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel, Amber, and her punk friend used to skate with us. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. One day, she just vanished. Hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Hey, Victoria. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Bon, bah voilà, c'était juste des simples. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ok, bon. Oh, le... je suis désolé, hein, je voulais pas te faire mal, hein. J'avais pas que t'étais un gros toquin. Bon, allez. Ah, c'est Daniel. On peut parler à tout le monde. What's up, Daniel? Ah, Daniel. Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Bah, écoute, si ça t'amuse. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped. Mais enfin, c'est pas drôle non plus de dire ça. I just hope she's okay. Bah, j'espère aussi. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime for. Tu m'as l'air un peu pervers, toi. She had a good heart. Je sais pas. Okay, why don't you start drawing me, even though I must be a step down from Rachel. Bon, tu me photographies, tu me dessines pas tout nu, hein. Good substitute, me. Sure. Allez, c'est parti. Vas-y, dessine. Oh, that's a good posture. On dépêche. Pas que ça à foutre. J'ai une capture de 30 minutes, moi. Good, good. Je pense que là c'est pour utiliser les possibilités de le voyage dans le temps pour apprendre un peu tout ça. C'est pas mal. Merci, Daniel. Ah d'accord. Je savais pas qu'une simple photo pouvait avoir des conséquences, mais bon, c'est bon à savoir. C'est qui ça? C'est un album photo. Regarder. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling? Ah bref, ouais, c'est ça. Pour remonter le temps, tester, vers les questions. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. Curry also shoots in color. In other words, no portfolio. Voilà, donc il faut refaire ça. Remonter le temps le plus rapidement possible. Après, reparler avec lui. Hey Evan. Let's see if you're. Tiens, voilà par exemple Eugene Smith. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. On reparle. C'est pas
passé? Qu'est-ce que j'ai foutu? Hey, Evan. Let's see if you're... Isn't it Robert Dorneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of... Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Donc là, je peux regarder son portfolio. Ah, c'est des photos de Rachel. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. J'étais proche? You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. D'accord. Bon, allez, on va comment... Bon, vous savez qu'il y a pas mal de choses à faire, hein. Ça, c'est intéressant. C'est quoi ça? Aller au dortoir de l'académie. Qu'est-ce qui s'est passé? Come on, Logan, bring it, bro. Le problème, c'est que moi, je sais pas où c'est le dortoir, le parking. Il y a des gens qui sont là, qui s'amusent. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Ça veut dire qu'il faut que j'aille. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Faut que j'aille par là-bas. Oh, il y a une fille, Alyssa. Oh. Hi, Max. Comment ça va? How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Ouais, bah c'est clair. Good point. Now if you'll excuse me. Je m'as être une fille très superficielle. Oh, je suppose qu'il faut que je la laisse pas, faut qu'elle me fasse, voilà, ça va être. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hell of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Connasse. Since bon. You know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Mais où? Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Okay. Ah, tu la tires, tu lui fous, tu lui tires les cheveux, je sais pas. Oh, il y a deux loups. Ouh, j'ai une idée. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? C'est drôle de la faire. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? À l'idée concrète, je pense, c'est tout simplement de... Bonjour monsieur le... Oh, une porte qui est ouverte. Bon, pas où utiliser. Eh ben voilà. Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Oh. Oh. Si José. Je peux faire un lance-pierre, je sais pas. Je peux
peux utiliser ça. Alors, il y a un souci? Do you understand English? Get lost. Je vais faire tomber ça là-dessus. Oui. C'est quoi ça là-bas? Ah, je peux pas y aller. Think, Max. Rewind and find something. Ah oui, les choses ne bougent pas. Ah non, je sais pas. Ça va être drôle. Ok, let's see if this works. J'en connais une qui risque de... Salut toi. Bonjour Samuel. Donc là, je vais utiliser ça. Donc ça va leur foutre de l'eau partout. Ta gueule. Et là, forcément... Putain, c'est pratique le truc de remonter le temps. C'est rigolo. Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Bah, ça m'a... Oh, bah, c'est pas chier. Bah alors? Hein? Ça fait chier le monde, hein? Hey Victoria. What do you want, Max? On va la réconforter parce qu'on est quand même des gens bien. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Yeah. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. Bon, t'as pas la jupe. Let the sluts get me a towel before they hang a sign on me. Sweet. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Bon, elle a pas l'air si méchante que ça, finalement. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Tu connais le dicton, il ne faut jamais se venger. Quand on se venge... Oh, ça se trouve, elle est très gentille. Red Rum. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Taylor est une esclave. Victoria? Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Storm to Bigfoot. Dane is still a cheerleader at heart. Mais c'est souvent ça, hein, les campus dans papier toilette. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but c'est comme ghosts. Ça aussi les. Allez voir dans les campus aux États-Unis, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est très très fidèle hein, quand même. D'ailleurs, souvent il y a des bizutages, des choses comme ça. Soyez pas un zombie. They live. C'est quoi ça? Will bang for chess. Bon, lui il écrit rien. Là. How sad. I didn't write anything. En fait, chacun écrit un petit truc du style mon animal parce que je l'ai dit ou quelque chose comme ça. 314 pi. Allez, bon, on va à la porte. Entrons à l'intérieur.
Oh là, je suis une nounours. Home sweet home, my favorite cocoon. Ça c'est un bouquin. Ah, c'est le fameux coin où ils ont elle a montré. Sans plus, il y a une note. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Je vais éternuer. Pardon. Pardon pour ceux qui ont entendu, j'ai éternué, oui. Une plante, on va quand même l'arroser. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Allez, bois. Oh putain, l'énervement, il était assez mastoc. On a un album photo, un post-it. Looks like Dana left me a little post-it note. D'accord. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Je peux l'utiliser? Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Alors, c'est mes chats de reconnaissance éternelle. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est un truc d'appareil photo. Oh, ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa. On peut lire. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Bah toi aussi tu peux, en théorie. Je vais me le faire reculer. Des vêtements, un poster. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. Elle a des cas, elle a des bisques. Donc il faut que je rentre dans la chambre de Dana. Donc ça c'est Dana. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Desperate divas de Blackwell. Bonjour Juliette. Answer you, wuss. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Qu'est-ce qu'elle a fait? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? T'as un bon nom de taper Olson, toi. Juliet Olson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Je savais que c'était Watson. J'ai hésité. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Bah, comme quoi? Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. Okay, I'm not letting her out until she tells the truth. Answer, you wuss. Je sais pas comment la régler le problème là. Hey, Juliet. Oh yes, Max. Juliet, I'm flattered. Thanks.
Would Dana do that? According to Victoria, Dana would... According to... She saw the... Bon bah écoutez, Victoria ou pas Victoria, il faudra régler le problème dans le prochain épisode. Hein. On va espérer que tout se passe bien et qu'on réussisse à, tout simplement à régler le problème. Parce que t'inquiète pas Juliette, j'aurais pas le mot de cette histoire. Bon alors pas du tout. Pour l'instant on va dire que l'épisode il est très simple. On remonte le temps et puis voilà. Bon allez, ciao tout le monde.